C'est bon, on est arrivé. Ah non. Bon, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo, une démo même sur le jeu Lego Duplo, donc la station de train. Donc vous allez voir un peu comment il fonctionne et puis on va le construire ensemble aussi. Bon, alors voilà les différentes pièces. Donc là, on va commencer par ceci. Donc bien sûr, les batteries, enfin, les piles sont déjà à l'intérieur. Donc on peut mettre... On va tout assembler là-devant, donc. Donc ça, ça va ici. Donc là, c'est notre petite locomotive, hein. Donc là, on a une partie qui vient là. Et puis la locomotive est terminée. C'est parti. Ensuite, maintenant, on a les wagons de passagers qu'il nous reste à faire. Comme ça, hop. Et ça, c'est réglé. Hop, et voilà, on attache le wagon à la locomotive, et voilà notre petit train. Allez, on continue maintenant, donc on va construire la gare. Donc pour ça, on a besoin de ces pièces-là. Voilà. On met la petite fenêtre. Il ne faut pas l'oublier, voilà, c'est déjà fini. Voilà, on a aussi les deux Lego verts qu'on met en dessous comme ça, voilà. Donc là, on a une couleur différente, hein. Il faut mettre jaune-orange, hein. Et puis là, on a un Lego bleu, et hop, on fait tout ça comme ça, voilà. Ça, c'est terminé. Là, on peut mettre un petit paravent, comme ça, rouge. Et ça, on a encore une petite pièce à mettre juste là. Voilà, donc ça, c'est bon. Maintenant, on continue. Les deux Lego rouges, là, vont tout là-haut. Voilà. Et puis là, on a encore la petite horloge. On peut mettre, vous pouvez la mettre où vous voulez. Ici, par exemple. Hein. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez la mettre tout en haut aussi. Là, j'ai deux Lego assez plats et verts. Donc ça, non ça va pas, il faut d'autres Lego. Donc ça, on les met comme ceci. Et ça, on monte comme ça. Et voilà, donc là, on obtient ceci. Là, on peut accrocher cette pièce. Donc, voilà, ça fait la station essence. La station de carburant. Là, on a encore des personnages. Donc les voyageurs, par exemple. Voilà. Donc, on a la station essence, on a un petit feu. Là, c'est le conducteur de train. Une voyageuse. Et c'est une petite fille. Là, maintenant, on va s'occuper des rails. Voilà, donc ça, ça se fait très simplement, hein. On les accroche comme on veut.
D'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun problème. Oh là là, ça y est, bon ben, c'est terminé. On a le train qui circule sans passager. C'est super. Donc là, il s'arrête. Là, les voyageurs attendent et maintenant ils peuvent rentrer. Maintenant, une fois que le train est arrêté, il n'y a pas de problème et que le voyage commence. Donc là, on avait notre conducteur et la jeune voyageuse. Et maintenant, le voyage peut commencer. C'est parti! Et donc voilà, on peut le faire tourner autant qu'on veut là. Oh, on a un voyageur supplémentaire. Oulala, oulala, attention, il faut s'arrêter, sinon il va y avoir un accident. C'est assez dangereux là. Vite, descends. Voilà, c'est bon, on peut continuer de partir. On peut redémarrer. Bon, le train maintenant a besoin d'un petit peu de carburant. Donc maintenant, on a juste à mettre ça comme ça. C'est super, hein, parce qu'on a le bruit qui va avec. Un petit peu encore. C'est vraiment super parce qu'il y a le son et ça fait un effet assez sympa, assez cool. Bon, hop, on n'a plus qu'à ranger tout ça. C'est vraiment très bien. Bon, allez, c'est parti. On redémarre. Et voilà, on est arrivé à la gare. Les voyageurs sont descendus. Le conducteur aussi. Donc c'est vraiment cool, hein. On peut vraiment faire des trucs sympas avec ce jeu. Bon, maintenant on peut recommencer à le faire tourner. Donc ça fait vraiment quelque chose de super. Faut pas s'inquiéter, c'est très vite construit, c'est pas compliqué. Donc faut pas avoir peur de ça. Voilà l'heure, hein. On peut la mettre où on veut. Y a pas de problème non plus. C'est très adapté pour les enfants. Et c'est vrai que les effets sonores sont super bien faits aussi. Ça fait vraiment réel. C'est vrai que ça joue beaucoup dans le jeu. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut !